de mettre dans la cour de clan. Vous connaissez la cour de clan? Vous connaissez la cour de clan? Des grandes personnalités. Des riches. Jésus dit, si tu as soif, viens à moi comme tu viens. Et moi je te donnerai l'eau de vie. Pourquoi? Parce que Jésus Christ est la seule personne qui peut étancher notre soif. Nous avons le calendrier à nous. J'aimerais que je puisse avoir ça aujourd'hui, demain, après demain. Cette année, je vais attendre ça, attendre ça, attendre ça. Ça, c'est ton plan, toi. Tu n'es jamais en retard. Oh. Moi, je ne comprends pas. Le nom de Jésus ne nous a pas été donné pour pleurer. Le nom de Jésus nous a été donné pour vaincre nos batailles. Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Und Gott ist wirklich im Handeln unter uns. Nous avons commencé un thème. Wir haben ein Thema begonnen. Qui va bénir chacun de nous. Das jeden von uns segnen wird. Et Dieu est en train de parler. Und Gott ist hier gerade zu sprechen. Et il veut que chacun de nous soit béni. Und will, dass jeder von uns gesegnet sein wird. La mentalité de la liberté. Nämlich das Thema, die Mentalität der Freiheit. Dieu veut que nous soyons délivrés. Das heißt, Gott will, dass wir erlöst werden. Que nous vivions la vie du royaume. Dass wir das Leben des Königreichs leben werden. Et nous soyons bénis sur la terre. Und wir werden gesegnet werden auf der Erde. Et que son nom soit glorifié aussi. Und dass sein Name gerühmt ist. Et l'esclavage qui est encore dans nos têtes. Die Sklaverei, die noch immer in unseren Köpfen herrscht. Et ça freine l'œuvre de Dieu dans ta vie et dans l'Église. Und all dies bremst das Werk Gottes in unserem Leben. Ainsi nous allons vraiment être bénis avec tous ces enseignements. Und wenn wir wirklich alle gesegnet werden durch diese Lehre. Aujourd'hui nous allons parler sur la femme adultère. Das heißt, heute werden wir sprechen über die Frau fremdgegangen ist. Ja, des Ehebruchs, ja. Nous allons apprendre les principes du royaume dans ce texte aujourd'hui. Wir werden in diesem Text heute lernen über das Prinzip des Königreichs. La mentalité de la liberté dans ce texte. Die Mentalität der Freiheit in diesem Text. Mais nous allons faire ça un peu différemment aujourd'hui. Aber wir werden dies ein bisschen heute anders angehen. Comme un petit théâtre, mais so pas vraiment un théâtre. Kleines Theater. Mais il y a une leçon que chacun de nous va tirer dans toutes ces choses. Und es wird eine Stunde geben, wo jeder das sehen kann. Amen. Jeder von dem angezogen sein wird. Amen. 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 Alors soyez préparés pour ça. Nous allons lire le texte. Jean 8. So, wir werden jetzt den Text lesen. Wo projetez? Johannes 8. Jean 8. So wie der jetzt projiziert wird. Jean 8. Ouvre ta Bible dans le livre de Jean 8. So öffnen wir die Bibel auf und gehen in Johannes 8. Jean 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Angefangen vom Vers 1 bis Vers 11. Jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, et chacun, bon Dieu, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme
surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Mais ils entendirent cela, et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus jeune, le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne. » N'est-il condamné ? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Nous allons commencer maintenant notre plaidoyer. Nous entrons maintenant dans le tribunal. Also, wir werden jetzt mit unserem Plädoyer beginnen. Je vais inviter d'abord les accusateurs, les gens qui viennent pour accuser. Le frère Jacques, le frère Kevin, mets-toi debout. Mon frère Jacques, tu peux prendre ton fils là. Und ich werde die Beteiligten hier auf die Bühne bitten. Parce que c'est le plus jeune, non? Hein? Ouais. Bon, non, celui-ci. Le plus jeune. Suivez cela et Dieu va nous parler dans ceci. Vous allez prendre place. Donc, et puis bon, mettez-vous là-bas. Non, restez un peu debout. Prenez votre accusé. Good. Nous voyons ici. L'accusé. Bon, restez un peu là. Le frère, Jésus, c'est qui? Ok. Et maintenant, nous avons besoin maintenant de gens qui sont dans les archives. Hein? Bon, frère. Il est dans les archives. Good. Maintenant, nous allons attendre maintenant l'entrée maintenant du juge. Et quand le juge entre, tout le monde se met debout. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout avec votre permission? Mettez-nous debout. C'est comme ça, n'est-ce pas? Oui. Hein, Luda? Quand les juges entrent, on fait quoi? On se met debout. On se met debout. C'est le chef de la salle. Hein? Alors, maintenant, il va prendre place. Hein? Il va prendre place avec aussi, bon. Il y a des choses qui nous manquent vraiment. Bon, c'est pas un problème. Maintenant, le juge va nous donner la permission de nous asseoir. Maintenant, et puis il va ouvrir. Et il va maintenant ouvrir le procès. Et il va aussi donner la parole aux accusateurs pour présenter leur problème. Und wird das Wort an die Schuldführer geben, damit sie ihr Problem erklären. Que tout le monde s'assoie. Ok.
Bon, maintenant, dis au lieu de venir présenter le problème. Juste. Je vais demander au accusateur de venir présenter. Vous allez vous mettre debout et maintenant, tu vas maintenant accuser. Tu vas maintenant présenter les raisons. Hein? Ouais. Vous entendez maintenant les accusations, n'est-ce pas? Es habe ihr hören jetzt die Beschuldigungen, die Anschuldigungen. Maître, lui dit-il, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise, s'il le fait. Or, dans la loi de Moïse, nous a ordonné de lapider des femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Nous avons compris ce que Also wir haben jetzt verstanden, was er hier sagen, gesagt hat. En ce temps, Jésus, tu vas continuer à écrire sur la terre. Donc, assieds-toi seulement, assieds-toi, tu vas te fatiguer, parce que je ne peux pas rester longtemps. Écris sur la terre, ok. Vous voyez ce que nous avons comme scène dans ce texte. Und ihr seht, was wir hier jetzt mitbekommen haben in diesem Text. C'est un plaidoyer, nous sommes au tribunal. Das heißt, es geht hier um ein Plädoyer, das hier stattfindet im Gerichtssaal. Et nous avons vu que on nous a présenté les pharisiens et les scribes. Und uns werden hier die Pharisäer präsentiert. Les pharisiens, c'est un parti politique, bien un secte en Israël. Und die Pharisäer sind ein politischer Teil, auch eine Sekte in Israel. Des gens qui étaient vraiment dans la parole. Und das waren wirklich Leute, die sehr im Wort gestanden sind. Je vous dis, ils connaissaient la parole devant et derrière, donc tu ne peux pas les tromper. Und sie kannten das Wort von hinten bis nach vorne und umgekehrt und niemand konnte sie hier beschwindeln. Mais ils ont aussi pris des traditions des hommes et ils ont donné à cette tradition des hommes la valeur de la parole de Dieu. Und sie haben auch die Tradition des Menschen genommen und haben das in die Wertschätzung Gottes hinein interpretiert. Et à cause de cela, Jésus même avait vraiment des problèmes avec eux. Ils étaient les ennemis jurés de Jésus. Und daher, aus diesem Grund, waren sie wirklich Feinde Jesu. Les scribes étaient aussi un groupe de gens, toujours en Israël. Ils étaient là à écrire, à interpréter la parole, à expliquer la parole. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la parole. Und auch die Skarabäer, die kannten auch sehr gut das Wort. Alors, ces gens-là ont trouvé une femme, c'est-à-dire qu'on a trouvé une femme, on n'a pas donné le nom de la femme, on a trouvé une femme qui était surpris de péché d'adultère. Und diese Menschen haben eben diese Frau, ohne den Namen hier zu erwähnen, also gefunden und sie des Ehebruchs beschuldigt. Et ils l'ont maintenant amené pas à leur tribunal, parce que leur tribunal s'appelait le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était vraiment la classe la plus élevée au temple, où ils traitaient tous les problèmes, tout problème judiciaire, c'est eux qui faisaient ça. Und sie haben sie nicht direkt hier in das Gericht des Tempels geführt, wo man normalerweise diese Angelegenheiten hat. Ils n'ont pas amené la femme chez eux, là, le Sanhédrin, parce que ça c'est la classe politique d'Israël, où on traite les problèmes judiciaires, tout là-bas. Wo man eben nur die Probleme des politischen Rechts Israël löst, darum haben sie sie nicht dort zu den Tempels. Les prêtres sortaient de là aussi. On a amené aussi Jésus quand on a arrêté là-bas aussi. Bon, et maintenant, on n'a pas amené la femme là-bas. Und daher haben sie jetzt nicht die Frau dorthin gebracht. C'est le tribunal national, je peux l'appeler comme ça. On ne l'a pas amené là-bas. Weil eben das, man kann auch sagen, das ist das nationale Gericht, wo man sie nicht hingebracht hat. On a amené la femme vers Jésus. Sondern man hat die Frau Richtung Jesus. Là, ça change des choses. Amen. Genau, ça change des choses. Ändert die Sache, die Geschichte. Ça change des choses. Das ändert diese Sachen. Bon, nous allons revenir un peu en arrière. Und wir können hier zurück blicken, mal nach hinten ein bisschen. La femme a été surpris de péché d'adultère. Ja, die Frau war hier. Sie war hier überrascht, also hier wegen des Ehebruchs angeklagt zu werden. Alors, j'ai une question à l'Assemblée. Est-ce que
eine Frage an die Versammlung. On fait l'adultère seul? Macht man diesen Ehebruch von selbst? L'Église, est-ce qu'on fait l'adultère seul? Non. Die Kirche, macht man diesen Ehebruch? Donc la femme là a fait l'adultère avec qui? Un homme. Diese Frau hat diesen Ehebruch mit einem Mann begangen. Mais est-ce que devant là, est-ce que nous voyons l'homme avec qui la femme a fait l'adultère? Aber sehen wir diesen Mann hier? Nous voyons seulement qui? La femme. Mais c'est nur die Frau hier. Donc c'est déjà une injustice, c'est déjà quelque chose qui n'est pas en ordre. Das heißt, das ist schon irgendeine Sache, die nicht in Ordnung ist und die ungerechtfertigt ist. Parce que Deutéronome 22-23, on dit que si on trouve une femme dans l'adultère comme ça, et la femme et l'homme doivent mourir. Das heißt, wenn man beide findet, eben den Mann und die Frau, dann müssen beide auch sterben. Mais nous voyons, les scribes, les gens qui connaissaient bien la loi, les pharisiens, ils amènent une femme seulement, la femme seulement devant Jésus. Sie bringen einfach nur diese Frau vor Jesus, pour condamner la femme. Um diese Frau zu verurteilen. La femme n'était pas seule. Die Frau war nicht alleine. La femme était avec un homme. Die Frau war mit einem Mann. La femme n'était pas seule. Die Frau war nicht alleine. Il l'amène devant Jésus. Sie haben sie vor Jesus gebracht. Là, comme je dis, ce sont des choses dont le tribunal n'est pas vraiment le tribunal d'Israël comme ça devait être. Das heißt, das Gericht ist nicht wirklich das israélische Gericht. Mais là, c'est le tribunal céleste. Sondern es ist ein himmlisches Gericht. Tribunal céleste, c'est le tribunal qui se passe en deux temps. Das heißt, Gericht passiert in zwei Zeiten statt. C'est-à-dire qu'au ciel et sur la terre. Das heißt, einerseits im Himmel und andererseits auf der Erde. Parce que le vrai juge, c'est Dieu lui-même. Weil der richtige Richter ist Gott selbst. Puisqu'ils sont venus devant Jésus, Jésus est l'homme, Jésus est aussi Dieu. Das heißt, man hat sie vor Jesus gebracht und Jesus ist zugleich Mann als auch Gott. Jésus était là. Jesus war dort. Und nun voilà. Regarde, c'est pourquoi je vous ai présenté Dieu. Lui, c'est Dieu, hein? Und daher lui, ist hier Dieu. Jetzt Rodrigue in Form von lui, il est au ciel. Il est invisible. Er ist im Himmel. Il est Dieu. Sur la terre, nous voyons Jésus und hier avec le corps. Ouais, lui là, avec le trône blanc, il est au ciel. Und er, Roderick, als Gott, ist hier unsichtbar im Himmel. Et maintenant, dans le groupe de pharisiens, und das heißt jetzt in der Gruppe der Pharisäer, il y a quelqu'un qui est, ils sont combien? Un, deux, trois, ils sont trois, n'est-ce pas? Donc il y a une quatrième personne. Gibt es drei, aber es gibt auch eine vierte Person. C'est qui? C'est qui la quatrième personne? Wer ist die vierte hein? Person? C'est le diable. Das ist der Teufel. C'est le diable qui accuse. Der Teufel. Il nous accuse toujours. Der uns immer und ständig. Mais il est là. Beschuldigt. Au milieu des pharisiens, les mais il est invisible aussi. Und der Teufel ist ouais. Auch hier als vierte Person. Il est invisible. Nous sommes au tribunal. Et Jésus est là, il est visible. Und Jesus ist ouais. Sichtbar. Mais il voit aussi l'invisible directement. Le fait qu'ils ont amené la femme devant Jésus-Christ, donc ils sont entrés dans ce tribunal-là, visible et invisible. So, sie haben hier zwei Welten, ein Gericht hier installiert, das Unsichtbare und das Sichtbare. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jésus était au temple, dans les temples, n'est-ce pas? Wenn man sagt, dass Jesus im Tempel sitzt. Et dans la Bible, les temples, c'est dans le royaume de Dieu. Et dans les temples devient aussi le tribunal aussi. Und der Tempel des Himmels wird auch zum Gericht. Les temples du ciel devient aussi tribunal. Das heißt, der Himmelstempel wird auch zum Gericht. Alors, nous voyons l'homme et les pharisiens qui amènent la femme. Das heißt, die Pharisäer haben die Frau jetzt gebracht. Ils n'ont pas demandé qu'est-ce qui a poussé la femme à faire ça. Und sie haben nicht gefragt, wer die Frau hierher getrieben hat. Pourquoi la femme agit comme ça? Ja, und warum handelt die Frau so? Et pourquoi ils n'ont pas amené l'autre homme? Und warum haben sie nicht den zugehörigen Mann hier auch mitgebracht?
Et ils disent, nous avons lu, que Moïse, dans la loi, und sie sagen auch, dass Moses im Gesetz nous a permis uns de lapider de telle femme. De lapider de telle femme. Diese Frau zu steinigen. Vous voyez? Alors, ils n'ont pas la loi. Ça, c'est la loi. On parle de Moïse. Moïse représente la loi. Et ihr seht, jetzt, Sie sprechen hier, wir sprechen jetzt über Jesus, über Moses, weil Moses hier das Recht repräsentiert. N'oubliez pas que dans toute nation, il y a des lois. Weil in allen Nationen gibt es Gesetze. Dans le royaume des cieux aussi, il y a des lois. Das heißt auch, im Himmel gibt es Gesetze. Et nous les chrétiens ne sommes pas les religieux, nous sommes les citoyens d'un pays qu'on appelle le royaume des cieux. Wir Christen sind nicht Bürger oder sind nicht des religieux. Also wir sind keine Religiösen, sondern wir sind les Bürger des royaume des Königreichs. Et le royaume des cieux. Et dans ce royaume, il y a la loi, il y a les lois. Und in diesem Königreich gibt es Gesetze. Bon, voilà maintenant, ils ont dit que non, la femme a brisé la loi. Moïse nous permet de lapider les lois. Sie haben jetzt gesagt, diese Frau hat das Gesetz gebrochen und Moses erlaubt uns, sie zu steinigen. Alors, ils n'ont pas demandé, qu'est-ce qui a poussé la femme à faire ça? Und sie haben nicht gefragt, was die Frau hier bewegt hat, das zu machen. De telle femme, ils disent de telle femme, on nous a permis de l'appeler telle femme. Sie haben nur gesagt, diese Frau müssen wir steinigen. Ils n'ont pas demandé qu'est-ce qui a poussé la femme, qu'est-ce que la femme cherchait. Und sie haben nicht überhaupt nicht hinterfragt, was diese Frau suchte. Et la femme était là. Und die Frau war hier. La Bible dit qu'ils ont présenté la femme au milieu. Und sie haben diese Frau in der Mitte hier repräsentiert. Ihr präsentiert. Allez, allez, la femme reste là. La femme reste là. On l'a laissé au milieu. C'est la Bible, non? Regardez, lisez les textes là. La Bible dit qu'ils ont mis la femme au milieu. Quand on met la femme ou bien quelqu'un, le diable, quand on met quelqu'un au milieu, on expose quelqu'un, on a besoin. On le fait pour détruire la vie de quelqu'un. Und wenn man jemanden in die Mitte stellt, dann setzt man diesen Menschen schlechten Dingen aus. On veut détruire ça. Alles, das etwas Schlechtes über diese Person. On veut t'isoler. Und man will, dass dieser Mensch isoliert wird. On veut te dénigrer. Dass dieser Mensch denigriert wird. On veut que tout le monde voit combien tu es mauvais ou mauvaise. Und dass alle Menschen wissen, dass sie ein schlechter Mensch ist. Et cela t'est arrivé déjà, mon frère, ma soeur. Cela est arrivé schon dans ta vie. Und es ist schon auch in deinem Leben. Ça peut être dans ta famille. Und das kann in deiner Familie sein. Ça peut être ici à Vienne. Das kann hier in Wien. Ça peut être à l'église. Das kann in der Kirche sein. Où on prend ton nom. Wo man deinen Namen nimmt. On amène ça dehors. Und man nimmt diesen Namen ein. Regarde, Georges, comment il a fait. Georges est comme ça. Christine est comme ça. Elle est comme ça. Zum Beispiel, elle a fait Georg ist so, oder Christine. Elle a dit ça. Und elle n'a pas d'amour. Elle est comme ça. Oder zum Beispiel, sie hat chacun de nous est passé par là. So schlecht, oder so et tout le monde qui fait des choses comme ça, ils ont le but de te détruire. Und all diese Menschen, die versuchen, das zu tun, sie wollen dich zerstören. Et je crois que chacun de nous a déjà vécu quelque chose comme ça. Und ich glaube, jeder von uns hat solches schon einmal gesehen. Oh, cette église-là, il n'y a pas d'amour. C'est pas ça, là. Il est passé à tout ça. Nous avons vu toutes ces choses. Dieser Pastor hat keine Liebe. All diese Dinge sind schon passiert. Mais même s'ils font toutes ces choses-là. Aber auch, wenn sie diese Dinge immer wieder tun. La bonne nouvelle que nous avons un avocat. Alléluia. Alléluia. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Ils disent tout ce qu'ils veulent dire à Vienne. Ils disent tout ce qu'ils veulent dire sur toi. Il y a un avocat pour toi. Alléluia. Amen. Il y a un avocat pour toi. Il a fait ça. Il a dit ça. Et il n'a pas d'amour. Il est comme ça. À Vienne, ici, à Vienne. Si on ne t'a pas fait ça, gloire à Dieu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que tu t'identifies à cela? Moi, le premier, je m'identifie à cela. Mais ils n'ont pas pu me vaincre. Pourquoi? Parce que j'ai un avocat. Amen. Amen. Il y a un avocat. Amen. Il y a un avocat. Amen. Et vous savez,
Dieu parfois, il fait sortir aussi, il expose aussi les gens comme ça. Und manches Mal Gott, selbst setzt auch manches Mal stellt es auch die Leute zur Schau. Vous savez la femme qui était courbée 18 ans comme ça, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Jésus l'a appelée aussi comme ça. Mais toi devant, oubliez les gens, mets-toi là. In Mitte gestellt. Mais quand Dieu fait les choses comme ça, il ne fait pas pour te dénigrer comme les gens le font. Ils ne font pas ça pour te détruire. Mais Dieu fait ça pour exposer les diables. Écoutez, il fait ça pour exposer les diables. Sondern er will den Teufel ausstellen. Il fait ça pour te délivrer. Parce que vous savez. Und er tut es, dich zu befreien und dich zu erlösen. Parfois, il faut venir devant et témoigner. Confesser, dann muss man davor treten und ein Zeugnis ablegen vor dem. Il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Man soll keine Angst haben. Il faut pas avoir venir devant. Sondern man soll c'est dans cela que la délivrance va venir. Beaucoup de gens n'ont pas de délivrance parce qu'ils cachent les diables. Tu n'auras pas la délivrance quand tu caches les diables. Alléluia. Amen. Je ne peux pas demander aux gens de venir parfois devant et de confesser. Moi là, regarde ce que j'ai fait. Regarde là où je suis passé. Ce n'est pas pour devenir comme ça, mais c'est pour être délivré. Et donnez gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Christ? On applaudit le roi. Comme tout Jésus-Christ. Bon. Si tu as quelque chose à écrire, écris toujours. Des diables, t'exposent pour te détruire. Pour te détruire. Mais si Dieu t'expose, si Dieu t'expose, c'est que tu caches ça. C'est pour ta délivrance. Alléluia. 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 On t'expose pour que le chef voie que tu n'es pas un bon travail pour qu'on te chasse. On t'expose pour que ton mari te voie que tu n'es pas une bonne femme pour qu'il te chasse ses mariages. Mais c'est quelqu'un qui expose. Elle a fait ça. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Ici, à Dieu, dans ta famille, au travail, nous avons les telles personnes. Mais la bonne nouvelle est que nous avons un avocat. Alléluia. Un avocat. Alors, nous voyons qu'on a à exposer la femme. On a amené la femme comme vous venez de voir. Et puis, l'homme, il est là. Ils ont commencé à accuser. Regarde cette femme. Und schaut diese Frau. Elle a été surprise des délits d'adultère. Und sie war hier überrascht, beschuldigt zu sein des Ehebruchs. De telles femmes, selon Moïse, on doit la quitter. Und diese Frau gemäß Moses muss man steinigen. De telles femmes. Diese Frau. Mais moi, je pense que quand la femme, telle qu'elle est là, elle est en train. Hein, ma soeur, c'est comme ça que tu sais que tu penses, hein? Non, je n'ai pas fait ça. Oh, je ne suis pas coupable. Non, ce n'est pas de ma faute. Je vois que la femme là, quand on l'accusait comme ça, on l'acculait avec des accusations, je vois que la femme était là en train de dire, de pleurer dans son cœur. Und in dem Moment, als die Anschuldigungen gekommen sind, hat sie aus ihrem Herzen sehen wollen. Je suis une femme qui souffre. Sondern ich bin eine Frau, die leidet. Je suis une femme qui souffre des injustices de ça et de ça et de ça. Je suis une Frau, die leidet unter der Ungerechtigkeit. Je suis une femme qui est à la recherche de quelque chose. Ich bin eine Frau, die auf der Suche nach irgendetwas ist. Je suis une femme qui souffre dans mon mariage, dans ma vie. Ich bin eine Frau, die in der Ehe leidet. Je suis une femme qui ne cherche pas seulement un mari. Pas seulement un homme. Mais je suis une femme qui cherche un père. Und ich bin eine Frau, die einen Vater sucht. Regardez les révélations cachées derrière toutes ces choses. Und wenn man sieht, diese ganzen Beziehungen, die versteckt sind hinter dieser Sache. Beaucoup de femmes sont dans le mariage. Und zum Beispiel viele Frauen sind in der Heirat. Et nous voyons un homme parce qu'il est en pantalon dans le mariage. Und wir sehen einen Mann. Mit der Hose, der die Hosen anhat. Et nous voyons quelqu'un avec qu'on appelle mari, c'est son mari. Und wir sehen einen, der marschiert, der sagt, er ist der Ehemann. Mais ils ne sont pas le père. Aber es ist nicht mehr ein Vater. Si tu as quelque chose à écrire, tu vas écrire. Und wenn du etwas aufzuschreiben hast, dann schreib es auf. Une femme. Eine ne cherche pas un mari. Sucht. Une femme. Ne cherche pas un homme. Sucht nicht einen Mann. Une femme. Cherche un père.
sondern such einen Vater. Est-ce qu'on peut appeler pour Jésus-Christ? Können wir jetzt appellieren für Jesus Christus? La Bible déclare. Und die Bibel deklariert. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Est-ce qu'on a dit aussi que la femme quittera sa mère et son père? C'est pas écrit, j'ai pas vu ça. Pourquoi on n'a pas dit ça? Parce que l'homme, c'est un père. Weil der Mann war ein Vater. Et son fils, c'est aussi un père. Und sein Sohn ist auch ein Vater. Vous comprenez? C'est-à-dire quand la femme est dans la famille, das heißt, wenn die Frau elle, in der Familie, elle est attachée à son père. Und angebunden, ist sie angebunden et an den Vater. Le mot, ce qu'on appelle père, und dieses Wort, das wir Vater nennen, signifie origine. Das bedeutet so viel wie source. Echtheit, Quelle. Le soutien. Der Zusammenhalt, die Unterstützung. Une femme cherche un père, comme ça. Das heißt, eine Frau sucht einen so einen Vater. Ma soeur, pour que tu te fatigues pas, je vais te donner un peu le. Mais tu es assis debout, tu m'auras su pas un peu. Une femme cherche un père. Das heißt, eine Frau sucht einen Vater. Un père, c'est quelqu'un qui soutient. Le père, c'est lui soutient. Ein Vater ist jemand, der unterstützt. Qui soutient, qui protège. Er unterstützt, er beschützt. Il est la source. Er ist die Quelle. Il est la source de l'argent. Il est la source de connaissances. Il est la source des idées. Der Idee. Il est la source de finances de la famille. Er ist die Quelle der Finanzen in der Familie. Il est la source de la comment dire l'orientation spirituelle de la famille. Die Quelle der spirituellen Orientierung. Il est la source de la stabilité de la famille. Er ist die Quelle der Stabilität in der Familie. Ein Vater. C'est ça. Quelqu'un qui comprend la femme. Qui oriente la femme. Qui orientiert die Frau. Qui protège la femme. Ça, c'est un père. Genau das ist, was einen Vater c'est pour ça qu'il s'appelle père. Das heißt, darum sagen wir, Gott ist Vater. Parce qu'il est la source de tout. De l'argent, de la santé, de la protection. Et alles ist. Et quand, pourquoi on appelle aussi l'homme père? Und darum sagen wir auch zum Menschen Vater. Le père signifie origine, source. Weil das heißt, der Vater signifiziert den Ursprung der Quelle. Qui est le papa de F? Wer ist jetzt der Vater von Eva? Qui est le papa de F? Wer ist der Vater von Eva? Hein? Dieu ou bien Adam. Adam. Le papa de F, ce n'est pas Dieu. Le papa de Eve, c'est qui? Adam. C'est Adam. Pourquoi? Quand on a créé Adam et on a fait dormir Adam, on a fait sortir. C'est-à-dire que Adam est la source de Eve. Mais Adam est la Quelle von Eva, daher ist Adam auch der Vater Evas. Alléluia. Alléluia. Adam est la source et le père de Eve. Das heißt, Adam ist die Quelle und der Vater Evas. Et c'est pourquoi il a aussi dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, sa mère, etc. L'homme quittera. Das heißt, der Mann ist ja der Parce que l'homme est père. Weil der Mann Vater ist. Un frère va plus ton fils. Oui, il est père. Son père. Ton frère Vater. Il est aussi père. Son fils ist auch Vater. Das ist ein homme. Weil es ein Mann ist. Alors il doit te quitter. Pour s'attacher à la femme. Ja, er muss dich natürlich auch verlassen, um sich an eine Frau zu binden. Et cette femme-là, und diese Frau hat auch einen Mann, einen Vater. Wie war épouser cette femme? Hat er einen Vater? Aber wenn er, wenn er diese Frau heiratet, c'est fini là-bas, et lui prend le lève. Dann nimmt er. Une femme, l'éducation ne finit pas. Dass er beeindruckt wird, er der Vater dieser Frau sein. Halleluja. Halleluja. L'éducation ne finit pas. Das heißt, c'est-à-dire que ton père qui t'a mis au monde, quand il finit le travail, ton mari va continuer ce travail. Parce que le mari, l'homme, c'est un père. Alors toute femme cherche un père. Das heißt, alle Frauen suchen einen Vater. Non, pas seulement un mari ou un homme. Aber nicht nur einen Mann oder einen Ehemann, nein, einen Vater. C'est pourquoi nous devons faire tout pour faire de nos enfants de père. Das heißt, wir müssen alles für unsere Kinder machen, wirklich ein Vater zu sein.
Est-ce que je parle à l'Église? Déjà, tu dois faire tout pour faire des enfants de père. Amen, pasteur. Mon frère, tu dois faire ça. Tu dois être modèle. Un père, logique, modèle. Tu dois montrer à ton fils, à tes enfants, comment aimer une femme. Il doit voir ça. Comment respecter une femme. Comment prendre soin d'une femme. Comment être modèle dans la famille. Comment financer ta famille. Comment diriger spirituellement ta famille. Vous devez le faire, les papas. Parce que vous formez un père. Qui va aussi être un père. Das heißt, weil ihr einen Vater ausbildet, der auch Vater sein wird. Halleluja! 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 Le pasteur, je suis un père. Je vous appelle le pasteur père, papa. Papa pasteur, sagt man ja, weil er ja ein Vater ist. Amen! Amen! Je suis un père. Also, ich bin genauso ein Vater. Und ich habe in dieser Nation begonnen, für Gott zu arbeiten. Und ich hatte immer wieder Schwierigkeiten und Schwierigkeiten. Und immer wieder Enttäuschungen und alles, was damit zusammenhängt. Und es ist wirklich nicht einfach, Vater zu sein. Malgré cela, j'ai 20 ans maintenant, vous comprenez, je suis toujours là. Trotzdem, seit 20 Jahren bin ich hier noch immer. J'ai accepté des bêtises et des bêtises. Und ich habe so viele Unglück und so viele Dinge hier gesehen. J'ai toujours travaillé pour montrer comment être un bon serviteur, un bon prêtre. Aber ich bin immer hier dafür, dass ich ein guter Diener Gottes bin und sein werde. Je peux aussi m'en servir, aller au lit avec eux, avec elle. Mais je n'ai pas fait ça. Und ich bin nie mit irgendjemandem, mit einer anderen ins Bett gegangen. Viele Frauen werden zu mir gekommen, aber ich habe das immer abgelehnt. Ich habe das nie gemacht. Est-ce que j'ai menti? Il y a aussi des papas qui vont au lit avec les filles. Und es gibt auch andere. Est-ce que vous n'avez pas entendu ces familles comme ça? Die anderen Mädchen ins Bett gehen. Ce n'est pas facile d'être un père. Parce que tu dois être un homme de caractère. Un homme modèle. Un Vater zu sein. Et ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de caractère, beaucoup de souffrance pour être ça. Und man muss auch wirklich leiden, damit man diesen Charakter ausbildet. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas présenté, je ne vous ai pas montré comment on vaut l'argent de l'église. Et ma soeur Rita, est-ce que moi je vaux l'argent? Non. Mais il y a des pasteurs, la messe est toujours dans la caisse, n'est-ce pas? Es gibt ja auch Pasteur, die immer wieder ins Geld treffen und das Geld von der Kirche stehen. Aber das habe ich nie gemacht. Je vous ai montré comment on prie. Comment on doit être modèle? Sondern ich war hier, habe immer bemüht, hier ein Vorbild zu sein. Und du Charakter zu sein. Je me force pour être toujours ponctuel. Je suis fidèle à vous. Je fais tout pour ne pas vous décevoir et faire du mal. Tout ça, même si je dois souffrir pour ça, c'est pas facile. Mais je dois me contenir, je dois me discipliner pour que je ne te déçoive pas, pour que toi tu n'apprennes pas de mauvaises choses. Tout ça, c'est le rôle d'un père. Alléluia. Et je traite bien ma femme, et j'aime bien ma femme. Oh, regarde comment ça va. Alléluia. Alléluia. Et Ariane voit ça. Alléluia. Et Rodrigue voit ça. Et tout le monde voit ça. Et vous devez apprendre. Brother, mon général, tu dois apprendre ça. Nous devons apprendre à nos enfants toutes ces choses parce que le Père, c'est une source. Und wir müssen auch das unseren Kindern immer wieder weitergeben, weil der Vater ist die Quelle all dieses. Nous avons des gens soi-disant pères dans les familles, parce qu'il est pas le pantalon. Mon frère, il est toujours devant la télé. Es gibt zum Beispiel Männer, die sagen, sie haben die Hosen an, aber den ganzen Tag sitzen sie vor dem Fernseher. Sie sind in den Bar und rauchen und der andere wieder sehr Casanova, das mit den Mädchen umschlungen geht. Und was zeigen sie an? Et la femme qui cherche un père se trouve devant des hommes comme ça. Mais frère, les femmes là ont des problèmes. Und daher haben die Frauen auch Probleme. Nous avons l'église comme ça. Si tu comptes comme ça, tu vas trouver beaucoup de femmes qui sont. Pourquoi? Und
wir haben eine Kirche hier und es gibt immer mehr Frauen als Männer hier zum Beispiel. Et toutes ces choses-là. Und all diese Dinge hier. Ça fait en sorte que les mariages deviennent difficiles. Il y a des femmes qui souffrent. Und die Ehen werden immer schwieriger, weil es auch hier die Frauen gibt, die immer mehr leiden. Et il n'y a pas de père. Weil es keinen Vater gibt. Mais seulement des hommes. Sondern nur Männer. Alors ça pousse d'autres femmes à faire. Je ne dis pas que l'adultère c'est une bonne chose, mais nous devons regarder les choses en face. Ça pousse d'autres femmes à chercher des pères ailleurs. Ja, und genau das ermutigt die Frau dann irgendwo einen Vater anderswo aufzusuchen. Tu es dans la maison, tu ne dis même pas à ta famille, à ta femme que tu es jolie, je t'aime ma chérie, je t'aime. Tu n'as jamais dit ça. Ça pèse. Du hast zum Beispiel niemals gesagt, ich liebe dich, Schätzchen. Tu crois que c'est la faiblesse? La femme, c'est une rose, qu'il faut toujours. Mais die Frau ist eine Rose, elle soit disant père dehors là-bas, mais tu vas la perdre. Und wenn du so weitermachst, wirst du sie verlieren. Je connais une femme qui vient de se dégager, de se débarrasser avec son mari en Afrique là-bas. Elle l'a quitté. Elle a quitté le mariage. Le mari faisait ceci, ne faisait pas ça, tu consoles, ça a duré, puis à la fin la femme a quitté. Ich kenne auch jemanden in Afrika, wo das auch passiert ist. Nur der Mann hat dies und das gemacht, die Frau hat ihn verlassen. Elle vit maintenant seule. Und sie lebt jetzt alleine. Et puis il y a un autre homme qui a présenté les qualités de père, qui l'a séduit, et maintenant elle a fait l'adultère. Und jetzt hat sie auch Ehebruch begangen. Vous comprenez? Versteht ihr das? La loi était trop dure. Das heißt, das Gesetz. Et la loi ne donnait pas aux gens la force d'appliquer la parole de Dieu. Und das hat auch das Gesetz hat auch nicht den Menschen die Kraft gegeben, um sich an das Wort zu binden. Le père. Der Alors, Vater. Mais l'erreur qu'ils ont fait, also den Fehler, den sie gemacht haben, c'était de venir vers Jésus-Christ. Ist, dass sie mit ihr zu Jesus Christus. Il fallait qu'ils achètent Saint-Engren, leur classe politique là, pour condamner la femme. Das heißt, normalerweise hätten sie müssen zu ihrem Gericht gehen. Und et ils sont venus vers Jésus-Christ avec l'intention de faire tomber aussi Jésus-Christ. Aber im Gegensatz dessen sind sie zu Jésus gegangen. Ces pharisiens, ces gens étaient terribles. Und das waren wirklich diese schrecklichen Dinge, die Pharisäer hier gemacht haben. Ils sont venus avec la femme là pour mettre un piège à Jésus-Christ. Und sie sind hier, haben sie diese Frau eben hier vorgestellt, um Jesus in eine Falle zu locken. Accuser aussi Jésus. Und nicht nur die Frau, sondern auch Jesus zu beschuldigen. Mais ils ont oublié que c'est lui qui a créé Moïse. Ils ont oublié que c'est lui qui a créé Moïse. Und es c'est lui qui a créé Moïse. Aber es war er, der Jesus, Moses erschaffen hat. C'est lui qui a donné la loi. Und er, der das Gesetz hat erschaffen. Il est la loi lui-même. Er ist das Gesetz. Ils sont venus pour accuser la loi. Regardez. Sie sind gekommen, um das Gesetz zu beschuldigen. Alors, ils sont venus vers Jésus. Und daher sind sie zu Jesus gekommen. Amen. Und das war ihr Fehler. Amen. 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 Laisse que les gens aillent t'accuser vers Jésus. Sois content quand les gens vont t'accuser vers Jésus. Aber seid doch froh, wenn die Leute kommen und t'accusent vers Jésus, mon frère. Vers Jesus anklagen. Alléluia. Il y a des gens qui vont m'accuser chez Jésus. Oh, voilà le pasteur, je veux comme ça. Ich wäre so froh, wenn es Leute geben würde, die auch mich vor Jesus anklagen. Ich werde nicht m'accuser vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que le juste juge. Et lui va répondre à ma parole. Parce que ce que j'ai fait, c'est fait pour lui. Alléluia. Que quelqu'un aille t'accuser vers Jésus, frère. Laisse que quelqu'un aille t'accuser vers Jésus. Et Jésus va agir. Und Jesus wird handeln. Alléluia. 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 Jésus était le corps que Dieu a fait baiser sur la terre. Und Jesus ist der Körper, den die Erde hier braucht. Et les pharisiens étaient le corps que Satan utilise sur la terre. Und die Pharisäer waren doch nur die Handlanger Satans, die hier benutzt auf Erden.
Et ils sont venus accuser la femme vers Jésus. Und sie sind gekommen, um die Frau vor Jesus Christus anzuklagen. Et Jésus demande à leur dire, ok? Und Jesus hat ihnen gesagt, Jésus, tu es distrait. Continue à écrire. Bon, maintenant tu vas répondre maintenant. Tu n'as pas encore répondu. Maintenant réponds maintenant. Quelle est ta réponse? Jésus donne la réponse. Oui, aux pharisiens, aux scribes, parce qu'ils ont accusé la femme. Mettez-vous debout. Allez, mettez-vous debout. Maintenant, il doit, Jésus va répondre. Non, tu restes toujours assis. Selon les textes. Qui est celui de vous qui n'a pas commis péché, qui jette la première pierre contre elle. Maintenant, comment tu continues à venir avec lui? Jusqu'au plus petit, jusqu'au dernier. Et le diable aussi, l'invisible là. Il est parti. Pourquoi le diable est parti? Il sait que lui aussi est un pécheur, n'est-ce pas? Il a péché au ciel. C'est lui qui n'a pas encore péché qui jette la prière. Qui a jeté la prière? Jésus est en train de demander à tout le monde ici, à Vienne, ici, qui t'accuse. S'il n'a pas encore péché dans sa vie, qui t'accuse davantage? Ja, okay. Jesus wird auch einmal zu euch kommen und euch sagen, wenn ihr euch das erste Mal beschuldigt und angeklagt hat, ob sie dann den ersten Stein auf euch werfen. Quel t'accuse davantage? Wer klagt euch mehr an? Tu verras que personne ne fera parce qu'ils savent qu'ils sont tous eux pécheurs. Aber sie wissen ja selbst, dass sie alle Sünder sind. Alléluia. Alléluia. Pourquoi toi tu vois ce qui se trouve dans l'œil de ton frère alors que ce qui se trouve dans ton œil tu ne vois pas ça? Et les gens sont experts dans cela. Und die Leute sind wirklich Experten in all diesen. Experts, ils font toutes ces choses. Und sie sind Experten und machen diese Dinge alle. Que celui qui n'a pas encore péché la prière. Und er hat gesagt, der noch nicht das erste Mal gesündigt hat, den soll den ersten Stein nehmen. La Bible dit qui accusera les élus. Qui accusera les élus? Personne. Romains 8, 33, 34. On peut projeter ça. On donne vraiment des bonnes choses à l'intérieur. Und wie die Eltern im Römerbrief gibt man auf Römer 8. Jésus, continue à écrire sur la terre. Continue à écrire, Jésus. Das heißt, Jesus, mach weiter zu schreiben hier auf der Erde. Ils sont partis pourquoi? Sie sind gegangen. Warum sind sie gegangen? Accusés par quoi? Par leur conscience. Wegen ihres Gewissens. La conscience est la police que Dieu a mis à nous, naturelle. Das heißt, das Gewissen ist die Polizei, die Gott durch natürliche Weise in uns hineingegeben hat. C'est aussi la, comment on dit la caméra, mon cher. La caméra que Dieu a mis à nous. La caméra que Gott in uns hineingegeben hat. Ils étaient venus accuser et la conscience les accuse. Sie haben sie angeklagt, aber das Gewissen hat wiederum sie angeklagt. Le diable veut t'accuser. Alors qu'il est lui-même accusé aussi. Und das ist genauso, der Teufel klagt dich an, aber auch er wird angeklagt werden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais faites maintenant la relation. Und jetzt zum Beispiel, mach diese Beziehung hier. Faites la relation entre ce que Jésus est en train de... Continue à écrire, Jésus. Continue à écrire. Il est en train d'écrire. Il écrit sur où? Sur la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est que Jésus écrivait sur la terre. Und all das, was Jesus hier auf der Erde geschrieben hat, que le Saint-Esprit écrivait sur Jésus lui-même. Das ist der Heilige Geist, was in Jesus selbst hineingeschrieben hat am Kreuz. N'est-ce pas, on a fait porter à Jésus tous les péchés?
Stimmt es nicht, dass Jesus alle Sünden auf sich genommen hat? Und wir haben auf ihn, man hat auf ihn alle Sünden geschrieben, dem Lügen, der Hass. C'est pour nous montrer que non, sur la croix, le Saint-Esprit devait être sur lui. Das heißt, auf dem Kreuz hat der Heilige Geist all dies auf ihn geschrieben. Mais on fait maintenant la connexion entre ce qu'il écrivait et le livre ouvert. Ouvre le livre. Also macht man jetzt natürlich ce qu'il écrivait et le livre ouvert. Das, was er niedergeschrieben hat und dem offenen Buch. Et la conscience. Und dem Gewissen. La conscience est encore un livre, non? Das heißt auch, das Gewissen ist ein Buch, die Kamera. Qui a enregistré tout ce que tu as fait dans ta vie. Ein Video, das alles aufnimmt, was du tust in deinem Leben. C'est pourquoi celui qui n'a pas encore péché, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des films de leur. Das heißt, sie haben la conscience a montré des films. Comment ils ont péché? Wie das Gewissen diesen Film ihnen gezeigt hat. Comment il y a deux ans il a couché avec une autre femme. Comment il y a trois ans il a trompé, il a escroqué. Zum Beispiel, genauso wie er betrogen hat, genauso wie er mit einer anderen Frau geschlafen hat. Und sie sind gegangen. Dans le livre ici, au ciel, il y a le livre. Im Buch hier im Himmel. Tout ce que tu as fait, c'est alles, was du gemacht hast, ist hier niedergeschrieben. Donc, c'était ici. Jésus écrivait sur la terre aussi. Et c'était aussi dans ton cœur. Das heißt, es war hier, auch Jesus ist es aufgeschrieben worden und es ist auch in deinem Herzen niedergeschrieben. Das heißt, versteht ihr, was ich euch sage? Es gibt eben diese Verbindungen zwischen der Kamera und dem Gewissen und das, was Jesus auf Jesus geschrieben hat und was hier in das Buch geschrieben ist. Und alles, was du machst, ist in diesem Buch niedergeschrieben. Alléluia. Alléluia. Et maintenant Jésus va se relever. Tu vas maintenant poser la question. Und jetzt wird sich Jesus offenbaren und stellen halt bitte jetzt die Frage. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Toi, tu vas répondre. Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et on a écrit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? Romains 8, 33, 34, n'est-ce pas? Car c'est Dieu qui justifie, n'est-ce pas? Amen. Continuons. Continue. Qui les condamnera? Tu as lu ça, non? Personne? Personne ne t'a-t-il condamné? N'est-ce pas? Là, il dit, qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède. Nous avons un avocat sur la terre, et nous avons aussi un avocat au ciel. Das haben wir, wir haben einen Anwalt, als auch im Himmel. Et l'avocat sur la terre, c'est le menace de Saint-Esprit. Das heißt, der Anwalt im Himmel ist Jesus, und der Anwalt auf Erden ist der Heilige Geist. Personne ne t'a condamné, femme. Non. Moi aussi, je te condamne pas. Zur Frau gesagt, niemand hat dich verurteilt. Moi aussi, je te condamne pas. Und auch ich werde dich nicht verurteilen. Parce que je t'ai venu pour sauver. Weil ich bin gekommen, um dich zu erretten. Mon nom c'est Jésus. Mein Name ist Jésus. Jésus, Jésus bedeutet was? Hein? Sauveur. Erretter. Accepté qu'on te lapide. J'ai pris ta place. Und hat gesagt, ich habe deinen Platz eingenommen. Tu es la vie. Du wirst das Leben haben. J'ai pris ta place. Weil ich werde deinen Platz einnehmen. Je te condamne. Und ich verurteile dich nicht. Vous savez? La femme, quand il pleurait, elle pleurait, je cherche un père. Und wisst ihr, wie die Frau geweint hat, hat sie gesagt, ich suche einen Vater. La femme cherchait encore une autre chose. Und die Frau hat aber noch etwas anderes gesucht. Elle cherchait le royaume. Nämlich das Königreich. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Und können wir für Jesus applaudieren? La femme cherche un père. Das heißt, die Frau sucht einen Vater. Mais elle cherchait aussi le royaume.
Aber sie sucht auch ein Königreich. Nous tous, on cherche le royaume. Und alle, die wir hier sitzen, on cherche ça. Nous tous, on cherche le pouvoir. Wir suchen auch die Macht. Nous tous, on cherche la puissance de dominer sur les problèmes. Wir suchen auch die Stärke, um gewisse Probleme zu nous tous, on cherche le pouvoir de dominer sur les maladies. Und auch die Macht Problem, und die Kraft, dass wir das fehlende Geld oder alles eindrängen oder besiegen. Wir gehen zu den Fetischisten, um das zu erreichen. Mais c'est dans le royaume que cela se trouve. Sondern wir gehen ins Himmelreich, ins Königreich, wo wir das finden. Que la femme la prenda aussi sa famille. Maintenant, l'homme ne lui donne pas l'argent, mais l'argent ne suffit pas. Et maintenant, ta famille souffre. Et tu n'as pas l'argent pour aider ton père ou ta mère qui souffre, qui est malade. Zum Beispiel, wenn die Frau kein Geld hat und dann die ganze Familie leidet und du gibst dir nichts, dann wird immer schlimmer. Et ça fait mal. Und das tut weh, das schmerzt. C'est pourquoi nous tous, on cherche le royaume, on cherche le pouvoir. Und deshalb suchen wir eine Strecke nach Macht. Soutenir à nos besoins, damit le besoin de ta famille. Il y a des familles où les hommes ne veulent pas donner l'argent à leurs femmes. Es gibt zum Beispiel Familien, wo die Männer überhaupt kein Geld ihren Frauen geben wollen. Und quel le papa de cette femme là, où la maman ou elle souffre, où son petit frère souffre là parce que elle ne peut pas aider. Weil er nicht helfen will. Und sie kann aber ihren eigenen Eltern auch nicht helfen, weil sie ja kein Geld hat. Ou parce que l'homme ne veut pas donner l'argent. Und der Mann will das Geld nicht hergeben. Ça crée des troubles, frère. Und das macht noch mehr Probleme. Si tu es marié, das heißt, wenn du verheiratet bist, pense aussi à la famille de ta femme. Dann denk auch an deine Frau und an deine Familie. Et l'argent, je sais que les gens se ramènent dans la rue, je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est un problème aussi. Und auch das Ganze immer mit dem Geld, das macht auch Probleme. C'est pourquoi nous devons travailler dur pour que nous soyons bénis. Das heißt, wir müssen auch wirklich hart arbeiten, damit wir wirklich gesegnet werden. Alléluia. Alléluia. Dur pour que nous soyons bénis. Wir müssen hart arbeiten. Les jeunes gens, ne restez pas éternellement au travail. Cherchez à créer des entreprises. Das heißt, auch jetzt ein Aufruf an die Jungen, die hier sitzen, seid nicht immer Angestellte irgendeiner Firma, sondern versucht selbst euch auf die Füße zu stellen und eine zu gründen. Tu auras un peu de moyens pour toi et pour aussi ta famille et la famille de ta famille. Zum Beispiel, wenn du kleine Mittel oder etwas dazu hast, versuch es, traut euch etwas zu machen. Nous avons des parents qui meurent parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des mariages qui se disloquent parce que l'homme ne donne pas l'argent. Il n'y a pas d'argent pour les femmes. Es gibt Ehen, die zugrunde gehen, weil der Mann so stur ist und kein Geld hergibt. Et toutes ces choses. La femme cherche le royaume. Und all diese Dinge zusammen, man sieht hier, die Frau sucht das Königreich. Comment avoir l'argent pour que je prenne soin de ma maman? Oder zum Beispiel, wie kann ich Geld haben, um die Bedürfnisse meiner Mutter zu stillen? Il y a d'autres qui vont maintenant même faire la prostitution. Es gibt dann manche aus einem, sie glauben, dass die Prostitution ein Ausweg aus dem Ganzen ist, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ce sont des problèmes de famille, des choses qui sont réelles, Probleme. Réel. Alors Jésus-Christ, quand tu lui dis, moi non plus je ne te condamne pas. Und daher hat Jesus zu der Frau gesagt, ich verurteile dich nicht. Vous voulez dire, je t'ai sauvé déjà. Denn ich habe dich schon errettet. Et j'ai amené le royaume que tu cherches. Und ich habe auch Alleluia. Das Königreich de puissance. Das Königreich der Stärke, das Königreich der Weisheit, de possibilité, de liberté. Das Königreich der Möglichkeiten, der Freiheiten. Je t'ai donné le royaume. Und ich habe dir schon hier mitgebracht, das Königreich. Et maintenant, nous voyons maintenant les juges de Dieu. Tu prends maintenant ton marteau. Jésus a déjà payé le prix. Il a payé le prix à la croix. Et maintenant, tout est fait. Tu es satisfait en tant que Dieu. Parce que le prix du péché a été payé par Jésus. Und jetzt ist auch der Preis schon von Jesus bezahlt worden. Et maintenant, en tant que juste juge, les grands juges, tu dois maintenant trancher. Und jetzt? Ja. Genau, jetzt lebt er. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Und jetzt applaudieren wir für Jesus. Le Père a tranché. Amen. Le Père a tranché. Va et ne pêche.
Und der Herr hat gesprochen, er hat gesagt, geh und sündige nicht mehr. Vous savez, quand tu es dans la salle du tribunal et que le juge fait ça, tu sais comment elle a été rompue. Tu vois là, quand tu, comment tu vas sortir de cette salle? Dans la joie. Vous savez, tout le monde qui est dans la salle là, tu trembles. Parce que tu ne sais pas à la fin. Tu es sorti de la salle. Tu 444 ans de prison, un juge en Amérique. 444 ans. Ça veut dire, tu es en prison, tu grandis là-bas, das heißt, tu vieillis là-bas, tu meurs, on t'enterre, même de ton corps. Quand tu sors de cette salle et que le juge dit, das heißt, wenn du diesen Gerichtssaal verlässt und wenn der Richter mit dem Hammer drauf schlägt, qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité. Il est à droite de Dieu, il intercède. Qui te condamnera? Alléluia. Alléluia. Quand on dit va, ça dit beaucoup. Mais là, c'est la liberté, la mentalité de la liberté qui est. Quand le juge se dit va, le juge te donne quoi? Das heißt, es er, Dieu, le juge te donne quoi? Et là, avec la liberté, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Avec la liberté. Avec la liberté, tu peux faire quoi, frère? Beaucoup de choses. Tu peux te marier, tu peux travailler, tu peux étudier, tu peux voyager, tu peux conduire une maison. La liberté, la liberté. Alléluia. Tu as la liberté, tu as la liberté là. Das heißt, geh! C'est la liberté. Si tu es dans l'âme d'escrite, ou bien le ressort, vous comprenez. Maintenant, on te dit, sors de ressort. Par exemple, dans l'âme d'escrite, wenn sie dir sagen, quelle est l'âme? Quelle est gehe, welche Erleichterung auf einmal hier frei wird. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu as la possibilité de faire de grandes choses avec ta vie parce que je te donnais la liberté. Das heißt, Gott heute gibt dir die Möglichkeit, Alléluia! La liberté! Die Freiheit! Tu as la liberté, utilise cela. Et mais il a ajouté quelque chose à la fin, c'était quoi? Va mêler? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est drôle! Va! La liberté, mais ne pêche pas. Aber er hat auch zusätzlich noch gesagt, aber sündige nicht mehr. Qu'est-ce qui est le péché? Also, was ist jetzt die Sünde hier? Le péché, c'est briser la loi. Das heißt, die Sünde bedeutet, dass briser la loi. Eine Rebellion zu entfachen. Dans un pays, il y a la loi, n'est-ce pas? Und wenn du in einem Land das Gesetz entsprichst, und wenn du das Gesetz entsprichst, on va t'arrêter. Dann wird man dich bestraft, wird man dich verhaftet. Si tu détruis le téléphone, tu sais, je ne sais pas, bout là. Wenn du zum Beispiel auf der Straße randest, on va faire quoi? On va t'arrêter. Pourquoi? Man wird dich verhaftet. Parce que tu as fait quoi? Tu as brisé la loi. Das ging droht, weil du das Gesetz gebrochen hast. Alléluia. Amen. Ici en Autriche, si tu brises la loi en tant que
chrétien, on va t'arrêter, frère. Das heißt, auch wenn man Christ ist hier in Österreich und du brichst das Gesetz, wird man dich trotzdem einsperren. Dieu aussi en tant que roi dans son royaume, dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Und auch im Himmelreich, im königlichen Himmelreich, gibt es respecter. Si Gesetze, tu brichst ça, tu as des problèmes. Gibt es Gesetze, die einzuhalten sind? Und wenn du dieses Gesetz brichst, dann gibt es Probleme. Die Phrase là qu'on a toujours dit, Dieu aidera. Dieu bénira, Dieu va comprendre. Enlevez ces phrases. Und immer diese Phrasen und Floskeln, die man dir gibt, Gott wird behelfen, Gott ist mit dir und so weiter. Vergiss das alles, weil du eben das Gesetz gebrochen hast. Au tribunal ici, on demande quoi? Und hier im göttlichen Himmelreich. J'ai une question. Même si la femme là avait pleuré comment, est-ce que le juge allait dire, va avec? Und nur wenn die Frau hier geweint hätte, hätte hier der Richter gesagt, geh. Il n'y a pas de pitié au tribunal. Nein, weil es gibt kein Mitleid hier im Gericht. Nous devons comprendre que nous sommes les citoyens du royaume. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut marcher avec les lois. Sondern wenn du ein göttlicher Bürger bist, tu vas comprendre. Oh, Dieu fera, Dieu fera quoi? Tu dois mettre l'ordre. Ein Bürger Gottes bist, musst du auch die Gesetze respektieren und einhalten. C'est pourquoi nous sommes toujours pauvres. Oh, Dieu fera. Aus diesem Grund sind wir immer arm. On ne veut pas travailler. Oh, Dieu fera, Dieu fera. Man will nicht arbeiten, weil es macht eh Gott. Dieu fera. Alors, va, mener. Ça veut dire que ne brise plus la. Das heißt, geh, aber brich nicht das Gesetz. Dieu m'est avec vous. Jésus m'est avec vous. Et maintenant, mais dans mon pépé ici. Attends, tu prolonges. Je ne peux pas se dire là. Non, ici, ici. Ouais. Bon, maintenant, la femme m'est aussi avec vous. Mets-toi devant Dieu, de Jésus. Regarde là. Ou bien regarde. Approche. Là, il dit que, comme c'est beau que les enfants, les frères et sœurs habitent ensemble, c'est comme l'huile répandue sur la tête. Hein? Qui descend? Qui, la barbe? Jusque en bas. L'onction, l'onction. C'est le Öl der Salbung, beginnt oben und geht bis hinunter. À l'église. Le pasteur, c'est la tête. Ist der Pastor der Kopf. Alors Dieu te répand son huile. Das heißt, Gott schüttet das Salböl et tu über dois, ihn. Tu dois marcher avec le pasteur. Und tu dois das heißt, en accord avec als Mitglied dieser Kirche musst du mit dem Pastor gehen. Tu ne peux pas dire comment tu es puissant, comment tu es. Widersprechen. Weil sonst Satan dich zerstört wird. Parce que l'huile qui coule sur lui descend sur toi aussi. Und das heißt, das Salböl, das über ihn geschüttet wird, signifiziert, dass man ihm folgen muss. Genau. Le ciel, il y a tout, n'est-ce pas? Est-ce que le ciel est pauvre? Dis-moi un peu. Das heißt, im Himmel gibt es alles. Est-ce que le ciel est pauvre? Le ciel, est-ce que pauvre? C'est pas pauvre, n'est-ce pas? Im Himmel, der Himmel ist reich, der Himmel ist nicht arm. Ici, nous avons des macadam, n'est-ce pas? Mais les macadam de Saint, c'est comment? Ah non. Tu as déjà vu ça? Macadam en or. Pas asphalte, mais macadam en or. Pour voir comment le ciel est riche. Donc si toi tu vas au ciel, tu vas devenir voleur. Parce que tu vas commencer à prendre l'or comme ça. Parce que c'est tellement riche. Tout est riche. Das himmlische Königreich ist wirklich reich. La guérison. Das heißt, la vie. Die Heilung, das Leben. La puissance. Das heißt, die Stärke, die Macht. Donc le grand Dieu là, il est tellement riche, n'est-ce pas? Il a tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Tout. Alles, was du brauchst. Tu as besoin d'enfants, tu as besoin de mariage, tu as besoin de santé, tu as besoin d'enfants, tu as besoin de maison, tu as besoin de voyage, tu as besoin de tout. Lui là, au ciel. Alléluia. Alles hat er. Et maintenant, Dieu maintenant va mettre la main sur les fils. Und Gott jetzt, er selbst, nimmt jetzt die Hand und legt ihn auf seinen Sohn. Parce que la richesse du royaume, c'est au ciel avec lui. Weil die Reichheit des Himmelreichs, maintenant, toi aussi, c'est ça, okay. Ist die Weisheit in ihm. Hein? Tu vois, gut, tu vois, und la richesse du royaume, au travers de Jésus, dieser Reichtum, ça vient, der geht jetzt über Jesus, zu der Frau. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est dans la loi. Elle est légale, n'est-ce pas? Das heißt, elle est légale, elle est juste. Juste signifie faire la loi. Injuste, celui qui fait la loi. Qui obéit la loi? Injuste.
Si tu es humble, alors tu es juste. Ou bien tu es légal. Das heißt, du bist gerechtgestellt. Donc elle reçoit tout ce que Dieu donne und parce qu'elle est légale. Parce qu'elle est en accord, sie, en conformité avec la loi. En Autriche, si tu es légal, tu as les bénédictions d'Autriche. Est-ce que je mens ça? Non. Est-ce que je mens? L'Autriche va te donner les papiers, l'Autriche va te donner la maison, la banque va vous répondre, parce que tu es légal. Mais si tu es illégal, la banque ne va pas t'ouvrir les portes, n'est-ce pas? Les maisons ne vont pas s'ouvrir, les demandes ne vont pas s'ouvrir, parce que tu es illégal. Hast du nicht diese, hast du nicht diese Möglichkeiten, die Leute haben, die hier legal sind? Sois dans la joie, parce que tu es déjà libre. Maintenant, viens ici. Mais la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle a quitté quoi? La loi, la main de la bénédiction, la loi. Elle a quitté. Also, jetzt, wie man sieht, hat sie die Segen, die Hand des Segens verlassen. Alors, quand tu quittes, tu brises la loi, tu défies le péché, tu vis dans les péchés, donc tu quittes. Alors, la main de Dieu, les bénédictions de Dieu qui Gottes, die über Jesus geht, ça ne va plus venir vers toi. Mais tu vas commencer maintenant à faire parole. C'est pourquoi, frère, nous devons aimer la parole. Nous devons aimer la parole. La parole de Dieu. Ne fuyez pas la parole. Ne refusez pas la parole de Dieu. Oh non, ils sont trop sérieux. J'ai rencontré un frère ici qui me dit, bon, dans votre église, vous êtes trop sérieux. Ah, je dis, mes frères, nous voulons qu'on soit moins sérieux. Mais tout ce qui est dans l'ordre, ça avance, non? Si l'Autriche a construit une maison, c'est parce qu'il y a quoi? Répondez-moi, pourquoi? Pourquoi l'Autriche a bien construit comme ça? Parce qu'il y a l'ordre, il y a le respect de la loi. Und warum zum Beispiel funktioniert es auch so halbwegs in Österreich? Weil es hier Regeln gibt. Ja, das ist ein Désordre total, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas qui le pasteur, qui est qui, donc on fait les choses. Et puis, on ne peut pas. Mais on sait pas, was er will und ist nicht. Vous pouvez être des 10 millions d'argent. Vous perdez les gars, parce que Dieu n'est pas dans les désordres. Dann ist man arm, das ist. Alléluia! Est-ce que je suis désordre? Non. Mais pourquoi nous aimons les désordres? Et maintenant, tu aimes les désordres, tu ne veux pas être sous la loi. Und wenn du die Unordnung willst und die Nicht-Einhaltung der Regeln, dann kann dich auch dieser Segen nicht mehr erreichen, weil du entfernt stehst. Si tu veux être béni, frère. Das heißt, wenn du wirklich gesegnet, mein Bruder, sein wirst, dann musst du an das Wort halten la loi. Und wieder die Hand auf dich. Ne violez pas la loi. Damit du gesegnet, damit du strong fist. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, la loi, on ne viole pas. Si tu crois que tu es fort de violer la loi, la loi va te violer. Das Gesetz werden wir nicht vergewaltigen. La loi, wenn man dies versucht, dann wird dich das Gesetz vergewaltigen. Même après 10 ans, la loi, Dieu, on n'oublie pas, on blague avec Dieu. Si tu crois que tu es fort de violer la loi, la loi va te violer. Und wenn du versuchst, das Wort zu vergewaltigen, wird es dich vergewaltigen. Mais Dieu, Jésus avec le royaume, il veut te bénir. Alléluia. Jesus und Gott mit dem gewaltigen Königreich, der wird dich segnen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est la volonté de Dieu au ciel, frère, sur toi? Ce sont les bénédictions. Und all diese Segnungen, all das sind Segnungen. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu aies une éducation. Tu es la gloire. Dieu veut le bien, tout ce qui est bien pour toi. Gott will alles, das gut wird mit dir, das nur Gutes über dich schwebt. Soit qui est au ciel, soit fait sur la terre dans ta vie, comme c'est au ciel. Alléluia. Alors si tu es sur la loi, conforme à la loi, tout ce qui est au ciel, va venir sur toi. Und wenn du hier angepasst bist an das Gesetz, dann wird der Strom fließen und du wirst gesegnet werden. Moi, je veux comme les gars, on vit dans les gars, on vit dans les bars, dans les dames, ok? La loi va te violer. La loi, elle va te violer. Das Gesetz wird dich vergewaltigen. Mais si tu veux être bien, dans la vie là, tu dois respecter la loi. C'est pourquoi moi, pasteur John, je respecte toujours la loi. Alléluia. Je resterai toujours ici.
c'est comme ça. Wer immer hier steht, damit das Stroh fließt, damit das Stroh fließt, damit der Segen fließt. Ou bien il est comme une maison sur le roc. Les tempêtes viennent, ouf, la maison est toujours là. Alléluia. Das Haus, das auf Fels gebaut ist, widersteht auch jedem Sturm. Tu vas passer. C'est question de temps. C'est seulement question de temps. Si tu vois quelqu'un briser les lois, c'est seulement question de temps. Faut pas que c'est question de temps. Alléluia. Halleluja. Reste toujours sous la loi. Das heißt auch, meine Schwester, immer im Gesetz. Si tu veux être bien, halleluja. Wenn du gesegnet werden, das willst, bleib immer im Gesetz. Frères et sœurs, allez. Es a meine Brüder und Schwestern. Merci beaucoup. Nous allons mettre le bout, nous allons prier. Si tu as besoin d'une prière, si tu as une difficulté de mettre la loi en pratique, viens, nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Baissons nos têtes. Et merci beaucoup. Si tu veux progresser dans ta vie, on a donné des secrets pour progresser dans la vie. C'est être dans la loi. Même si les gens se moquent de toi, ce n'est pas un problème. Toi, reste dans la loi. Pratique la vérité. Pratique la loi de Dieu. Respecte la loi du pays. Respecte la loi d'Autriche. Respecte la loi de Dieu. Et si même si on dit que tu es un archaïque, tu es un arriéré, altmodiche, ce n'est pas un problème, altmodiche. Ce n'est pas un problème. Toi, respecte la loi. Parce que celui qui respecte la loi est là, dans la force. Va, mais ne pêche plus. Va, mets les pêches. Mets les lois en pratique pour le business. Mets les lois en pratique pour la famille. Mets les lois en pratique pour la santé. Mets les lois en pratique. Tout ce qu'on dit que c'est bien fait ça. Ce qui n'est pas bien, refuse de le faire. Parce que c'est la loi conduit le monde. C'est la loi qui régit le monde, la vie sur la terre. Si tu refuses la loi va te violer. La loi va te violer. Nous avons appris aujourd'hui. Jésus-Christ nous a amené le royaume. Il nous a amené le royaume. Jésus. Si tu as besoin de prière, si tu es malade, si tu as un problème qui te dérange, venez, on va prier. Parce que Jésus nous a amené le royaume déjà. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Baisse ta tête et commence à prier. Répands-toi de tout ce que tu connais. Et rentre sous la loi. Répands-toi de tout ce que tu as fait. Pour le salut de mon âme. Seigneur Jésus, le peuple vient d'entendre ta parole, Seigneur. Tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés à ton nom, tu es là, éternel des armées. Maintenant, je t'invoque maintenant de venir confirmer cette parole, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Viens, Jésus-Christ, confirme maintenant la parole de la liberté. Tu as dit, va et ne pêche plus. Seigneur Jésus-Christ, viens confirmer la parole dans la vie de quelqu'un maintenant. Chasse les maladies dans le nom de Jésus, parce que tu nous as amené le royaume de puissance, le royaume de guérison, le royaume de santé, le royaume de richesse, le royaume de vie. Tu nous as amené ce royaume, Seigneur Jésus.
Seigneur. Saint-Esprit, ton peuple est là. Ton peuple est là maintenant, agis. Agis. Commence à montrer ta puissance maintenant. Commence à guérir tes maladies. Que les démons sortent. Que les démons sortent maintenant. Pour les saluts de mon âme. Que les démons sortent. Que les démons sortent maintenant. Que les démons sortent maintenant. Que les forces du ténèbre sortent de la vie. Que les maladies sortent maintenant dans les nôtres. Que l'esprit de pauvreté quitte maintenant. Le frère, ta soeur. Seigneur, viens maintenant confirmer ta parole. Ta parole, viens confirmer ta parole, Jésus. Viens confirmer ta parole, Jésus-Christ. Touche maintenant. Amen. Touche maintenant. Jésus. Libère. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens confirmer ta parole. Commence à agir dans la vie de quelqu'un. Délivre, renouvelle les pensées de quelqu'un. Donne la force à quelqu'un de vivre, Seigneur Dieu, le chemin de la vérité. Agis maintenant, Seigneur Jésus. Viens confirmer ta parole, Jésus. Viens confirmer ta parole. Viens confirmer ta parole, Éternel des armées. Afin qu'il soit le meilleur citoyen et de respecter Seigneur Dieu la loi, afin qu'il soit béni, afin qu'il soit délivré, afin qu'il soit élevé. Toi, tu étais élevé, mon Toi, tu étais élevé, tu n'es jamais plus bas. Jésus, béni soit le salut de mon amour. Laisse que l'onction brise tout ce qui n'est pas de toi en eux. Agis et confirme cette parole, Seigneur. Que les gens changent, que la vie change, que la vie change, que les gens soient délivrés dans le nom de Jésus. Des maladies de toutes sortes, quittez le corps des citoyens du ciel. Que les esprits impurs sortent, car nous sommes les instruments, nous sommes le corps de Christ. Seigneur, être utilisé par toi. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ.